Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 28 février 2022, 11h12, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très, très mal. Mais rassurez-vous, demain sera encore pire qu'aujourd'hui, donc profitez d'aujourd'hui pendant que ça passe. Pendant ce temps-là, le conflit continue. Il y a eu des pourparlers, apparemment, à la frontière biélorusse. Vous voyez les infos comme moi, donc j'essaie de vous trouver des liens qui sont un peu différents de ce qu'on voit à la télé. Puis je réussis toujours à mettre la main sur des trucs assez intéressants, donc je vous les partage. On commence avec le Daily Mail qui nous dit que le Kremlin envoie plus de 400 mercenaires de la milice privée à Kiev pour assassiner nul autre que le président Zelensky et son gouvernement. La milice privée connue sous le nom du groupe Wagner est arrivée d'Afrique il y a cinq semaines. Il est dirigé par l'oligarque Yug. Euh, Ghénie, prix un proche allié du président russe. Des agents hautement qualifiés ont une liste de 23 personnes à tuer, y compris le Premier ministre et le cabinet. Plus de 400 mercenaires russes ont été amenés d'Afrique par avion pour assassiner. Nul autre que Zelensky, a-t-on appris hier soir, une milice privée connue sous le nom du groupe F Wagner aurait reçu l'ordre de Poutine d'éliminer Zelensky et 23 personnalités gouvernementales pour permettre à Moscou de prendre le contrôle de son voisin d'Europe de l'Est. Donc on voit, selon le Times, l'armée allouée dirigée par l'oligarque Pri Gozin, un proche allié du président, souvent surnommé le chef de Poutine, a été transportée par avion il y a cinq semaines et se voit offrir une somme énorme pour sa mission, donc une, une milice privée connue sous le nom de Wagner. On voit que c'est en train de se développer. Hein. On en parle depuis longtemps. Je vous avais déjà partagé des liens il y a quelques jours, peut-être même une semaine et demie ou deux, de ce que c'était comme plan. De... On avait une liste de gens qu'on voulait éliminer du côté hein, du gouvernement ukrainien. Imaginez-vous qu'on entend parler, vous en avais parlé de la fameuse mer de toutes les bombes qui pourraient être utilisées. Eh bien, Vladimir Poutine aurait mis en alerte euh, ses services militaires, son armée, euh, puis même dans l'éventualité de l'utilisation de cette mer de toutes les bombes, et qu'apparemment, même les généraux de Poutine semblaient stupéfiés de, sa de, stupéfiés de sa demande. Comme je vous ai partagé hier ou avant-hier le fait qu'on avait fait des prisonniers de guerre du côté de l'Ukraine, des soldats ukrainiens, et que les soldats russes apparemment n'étaient même pas au courant ils étaient en guerre, ils pensaient que c'était un exercice parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'ils étaient là en supposé exercice. Donc, les chefs hein, militaires ont appris dans des projecteurs que Poutine ordonne à ses forces de dissuasion nucléaire de rester en alerte avec un décret qui a choqué le monde, nous rapporte encore le Daily Mail. Valérie Gerasimov et Sergei Soygo. Il semblait perturbé après l'annonce. Hier, le président russe Poutine a mis son arsenal atomique en stand-by, un haut responsable de la Maison-Blanche, l'a qualifié d'escalade et d'étape totalement inutile. Donc, on voit qu'il y a comme une dérive, un peu, peut-être une dérape mentale, probablement. Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi d'analyser ça, mais ça semble assez irrationnel comme euh, décision. Surtout qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment d'avancée dans alors que l'armée russe pourrait écraser en l'espace de quelques heures. Euh, comme l'avaient fait les Américains contre Saddam Hussein, hein, euh, dans la première guerre du Golfe, on avait vu que ça avait pris peut-être euh, quelques heures à neutraliser l'armée euh, pitoyable de Saddam Hussein. Bien, je pense que c'est à peu près le même genre d'équilibre militaire qu'on a ici. Donc, c'est très étrange ce qui est en train de se passer. Je vous laisserai tous les liens. Les conseillers les plus proches de Poutine ont semblé perturbés lorsqu'il a lancé hier hein, cette annonce sur la préparation de l'Est. De, 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 de son si vœu de d'armes nucléaires et de rester euh, en alerte les expressions du général d'armée Gerasimov euh, et du ministre de la défense Soygo ont été filmées alors que le président russe mettait de son arsenal atomique en veille on apprend aussi que il y a les sanctions qui commencent à frapper hein, contre l'Ukraine et que on se on commence à se masser face à l'effondrement du rouble euh, en Russie, devant les banques, et euh, on est en train d'assister à une espèce de, 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 de fuite hein, des gens vers les banques. On court, on court. Les banques russes ont commencé alors que les, les sanctions hein, le, occidentales envoient l'Europe en chute libre, suscitant l'espoir de troubles civils contre Vladimir Poutine. On a vu beaucoup de manifestations et de gens qui se faisaient arrêter. Je ne sais pas jusqu'à quand on va être capable du nouveau, au niveau des forces. Policière russe de continuer à arrêter sa propre population, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes. En tout cas, on verra bien jusqu'où ça va aller. Les images montrent de longues files d'attente devant les distributeurs automatiques de billets à Saint-Pétersbourg, nous rapporte le US Sun, alors que les habitants font la course contre la montre pour retirer leur économie avant que tout ne soit anéanti. Hein, économiquement, cela vient alors que les banques centrales russes. Où la Banque centrale russe a déclaré qu'elle n'ouvrirait pas la bourse de Moscou. Aujourd'hui, la bourse est fermée. Jeffrey Haley, analyste principal chez Oanda, a déclaré à Reuters une panique bancaire a déjà commencé en Russie ce week-end et l'inflation va immédiatement grimper massivement. Et le système bancaire russe est susceptible d'être en difficulté. Les craintes d'un effondrement économique en Russie continuent de croître alors que les sanctions occidentales commencent à monter ou à mordre. Donc, la Banque centrale russe a révélé relever les taux d'intérêt de 9,5 à plus de 20 dans le but d'arrêter une ruée sur la monnaie du pays. L'euro de la Banque de Russie a imputé un changement drastique aux conditions externes de l'économie pour ce pic soudain. Vraiment, tout un... Je ne sais pas ce qui va arriver, mes amis, mais tout un revirement ici. La Russie dépenserait jusqu'à 15 milliards de livres sterling par jour pour financer l'invasion de l'Ukraine. La Banque centrale européenne a également averti que la filiale européenne de la Banque d'État russe Sberbank qui fait actuellement l'objet de sanctions britanniques était menacé de faillite. Aïe, 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 mes amis, c'est plus gros qu'on pense. Préparez-vous pour euh, quelque chose de, de majeur, majeur, majeur. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais si on regarde ces infos-là que je viens de vous partager, quand je vous ai dit tout à l'heure en, en, en introduction que demain serait pire, ben, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je vais. Avoir.